pas du tout conclure, si je venais, ça, le mot conclure ne me convient pas du tout, et je pense que le président, s'il était là, aurait dit exactement la même chose à ce niveau-là. Non, deux, trois mots, simplement, et on se quittera en tous les cas momentanément sur ça. J'ai entendu émotion, sensibilité, rencontre, partage, ouverture. Ces journées, quand je les ai réfléchies, pensées, discutées et échangées avec les directeurs les uns les autres, je les voulais comme un peu un carrefour de rencontres, un carrefour d'ouverture autour de ce qu'on appelle la culture, mais au sens très large du terme, c'est-à-dire pas quelque chose d'académique, pas quelque chose d'enfermé, pas quelque chose de stéréotypé, ni quelque chose qui a à voir avec l'élitisme, mais plutôt des petits chemins comme ça, d'ouverture, des chemins de traverse, j'aime bien cette expression-là, c'est-à-dire des chemins qui ouvrent à autre chose que le simple quotidien et qui permettent d'être curieux, de se dire, tiens, après tout, cette affaire-là, cette question-là, j'y avais pas pensé, un petit peu à l'image de ce que vous disiez ou de ce qu'exprimait M. Maupin ce matin et les autres intervenants, c'est-à-dire un carrefour de rencontres, de partage, d'expression, où chacun se dit, bah, tiens, après tout, ce que j'ai vécu, ça résonne chez l'autre. Ce que me dit l'autre, eh bien, j'y ai pas pensé. Mais en fin de compte, ben oui, pourquoi pas, ça peut être ça. Alors, à la fois qu'une part d'incertitude, à la fois une part de risque, mais en même temps, la fantastique aventure de la découverte de l'autre, la fantastique aventure de la découverte de la différence. Ce qui fait que le mot culture, c'est avant tout, comme disait un des intervenants hier et avant-hier, c'est un mot qui permet de se relier, c'est un mot qui permet d'échanger, c'est un mot qui évite la stigmatisation, c'est un mot qui évite la discrimination, c'est le mot qui permet que par-delà les différences, on se retrouve tous autour de points communs, qui est l'humanisme et qui guide quand même depuis des années cette association qui est Moisson Nouvelle. Merci à vous d'avoir été aussi attentif, merci à vous d'avoir largement participé à cet échange durant ces deux jours. Je suis particulièrement fier d'avoir pu conduire avec vous ces deux journées et demie. Merci.